partie. La voiture commence bien. Merci beaucoup. Mais voilà, j'ai obtenu une petite voiture en échange du jeu de société. Est-ce que du coup t'as un autre objet à me donner? Des ribbons. C'est incroyable. Salut à tous les amis, c'est FH, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable aujourd'hui. Enfin ça va impeccable, moyen moyen parce qu'il pleut, c'est la merde, on est en plein hiver. Vivement cet été, voilà c'est dit. Aujourd'hui les amis, on tourne l'épisode 2 de... comment il s'appelait déjà le concept? Aujourd'hui les amis, on tourne l'épisode 2 de obtenir le plus gros objet possible. On repart avec cette paire de Ray-Ban qui est, ma foi, fort sympathique. Alors en fait c'est des Ray-Ban enfants. Mais en vrai ça va, hein? Non? Ça va impeccable. En vrai ça coûte 100 ou 150 euros. Et en vrai on reconnaît les Ray-Ban, genre il y a un truc gravé dans les lunettes et ça y est. Donc les amis, on va tenter d'échanger ça. Je sais pas pourquoi, je suis focus sur une cafetière. Je sais pas pourquoi il nous faut une cafetière pour enchaîner sur une machine à laver, pour enchaîner sur une voiture. Voilà c'est dit, une voiture. Il nous faut une voiture. On est lundi, les commerces ils sont fermés. C'est certainement le pire moment pour tourner une vidéo et trouver des gens. Mais c'est pas grave, on y va quand même. On va aller sonner chez les gens. Let's go, c'est parti. Abonnez-vous et on y va. Alors là, il y a une maison en vrai. Ça me fait bizarre d'aller chez les gens comme ça. Mais ouais. On a vraiment pas de couilles, c'est ça le pire en fait. Mais si, on a des couilles. Le mec toque. Là, là, là. Il ouvre, il fait j'ai des couilles. On peut toquer là, non? Studio coaching, s'ils sont commerçants. Allez, attention, on toque. Oh, j'ai peur. Bonjour, on tourne une vidéo YouTube et le concept c'est d'échanger des objets. Et là, on a une paire de Ray-Ban à échanger. Que vous voulez participer c'est à la vidéo? Non, j'attends quelqu'un là. D'accord. C'est... Vous avez rien du tout Même pas un petit kettlebell ou un vélo elliptique? Ok, ça marche, moi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Bon, premier échec. Bon, on va sonner chez qui? Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sort parce que je lui saute dessus. On va se prendre vent sur vent. Perso, moi j'ai un mec qui sonne comme ça chez moi. Je lui ouvre pas. Bah non, parce qu'il n'y a pas de sonnette. Bonjour. On tourne une vidéo YouTube et le concept c'est d'échanger des objets. Là je dois échanger une paire de Ray-Ban. Est-ce que vous avez un objet que vous servez plus qui traîne d'une valeur? C'est chez mes parents donc je suis désolée. Je d'accord. Vais pas vous aider. Ok, ça va, pas de soucis. Bonne journée. Merci. Au revoir. Là, visiblement il n'y a pas de bordel chez personne, non? Il n'y a que chez moi qu'il y a du bordel. Ça va être compliqué hein, d'arriver à une voiture. En fait ça va être compliqué déjà de se débarrasser des Ray-Ban. Pourtant merde, des Ray-Ban contre une cafetière. J'ai peur. Bonjour. C'est pas chez vous? Je peux rien faire pour vous. Bon, y'a pas de soucis. Au revoir. C'est un échec. En fait, à chaque fois, c'est pas chez les gens. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Montrez-moi un justificatif de domicile. Bon, les amis, let's go, c'est la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder autrement. Bon, let's go les amis, y'a personne qui veut nous aider, donc du coup, bah on va changer de ville parce que, bon bah c'est la merde, hein, clairement c'est la merde. Et bah du coup, let's go, on change de ville, c'est parti, je crois qu'on va faire ça toute la journée. Oh, je suis mort, on était en train de faire des plans au drone et Tchoupi fait perdu signal, je l'ai perdu. Il est descendu de la voiture, il est parti en courant. J'étais mort de rire, je suis vraiment un bâtard, je rigolais à mort. Et là, imagine on voit quelqu'un qui part avec la voiture. Je sais pas moi, un sanglier ou une biche. T'es où? Mais pas là. Mais t'es où? Mais gros. Pas là. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Bon les amis, let's go, on vient d'arriver, là on a changé de ville. On va aller chez Nike qui est juste derrière. On va aller voir s'ils peuvent nous échanger un petit peu cette paire de Ray-Ban. Faut qu'on passe le vigile. Enchanté, je suis youtubeur, je m'appelle FH. Donc là on a une paire de Ray-Ban à échanger. Malheureusement on peut pas du tout. Vous pouvez pas? Non, avec la politique du magasin on peut pas. Bonne journée, ciao. Bon les amis, c'est un échec. Mais malheureusement par rapport à leur politique de magasin, les gros magasins comme ça en vrai ça se comprend, tu vois. C'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. On va continuer la vidéo, c'est parti. Let's go les amis, on va chez H&M, c'est parti. On va voir s'ils sont généreux. Je suis jamais venu ici de plus. Les gens, on nous a dit, je vais chercher un responsable. Le mec est parti en pause, il est parti manger. Il était dans une heure, il revient en espérant qu'on soit plus là. On a toute la journée. Bonjour. Bonjour. Non, bah, pas de soucis, c'est pas grave. Bonne journée. Ok, merci. Merci. À bientôt, au revoir. Bon, on va chez Maison du Monde, on repart avec un canapé. Je vais demander, je te jure. Incroyable. Je te jure, je vais demander. Vas-y. C'est quoi Maison du Monde? J'y crois. J'y crois dur comme fer. Ah ouais? Pas possible. Ok, ça marche. Bon, bah, bonne journée. Visiblement, direct, t'as pas cherché à comment on a fait. Je l'ai appris, c'est pas possible à voir. Huez-le dans les commentaires. Ouh. On s'est fait tej en une seconde chrono. Je vais revoir le moment avec un chrono. Vraiment, il y a 3 secondes. Vraiment, il y a 3 secondes. Le concept, c'est de partir de rien, d'échanger les objets. Donc là, on a une paire de Ray-Ban, on voudrait savoir si vous accepteriez. Non, pas possible. Ok, ça marche. Bon, bah, bonne journée.
Je devrais faire de la croûte pour les amis, c'est incroyable. Les amis, let's go, on vient d'arriver chez Boulanger. On va voir si chez Boulanger, ils peuvent m'échanger ça contre un petit MacBook Pro. Bon les amis, c'est un échec. Échec. Oh, j'en ai marre les amis, on n'arrive pas à se débarrasser de cette paire de Ray-Ban. Du coup, on va aller chez Decathlon. Avec tout le pognon qu'on leur donne pour nos vidéos, ils pourraient faire ça. Wouh, Decathlon, j'arrive. Let's go. C'est cool Decathlon en vrai. C'est cool, je te jure. J'aurais pas le droit malheureusement, il me faudrait l'autorisation de supérieur. Bon les amis, let's go, on sort de chez Decathlon et on a toujours la paire de Ray-Ban. Franchement, j'ai eu un faux espoir. Je vois le mec arriver et il me regarde comme ça et il va voir les trottinettes électriques Mi. Je fais ouah dinguerie et tout. Et là il arrive, il fait ça va pas être possible, je suis désolé. Bonne journée. C'est cool Decathlon, en vrai. C'est cool, je te jure. Encore une déception, j'en ai marre. Il est Decathlon, on va chez Intersport, let's go, c'est parti. Bon les amis, let's go, c'est parti, on va chez Intersport, concurrent de Decathlon, ils ont intérêt à nous donner un truc. Bonjour, je me présente, je m'appelle FH, je suis youtubeur. Ah non, on donne pas les... Vous pouvez pas échanger quelque chose? Je sais pas. Non mais quelque chose en stock. Après j'ai un tapis de yoga si vous voulez, mais c'est pas... C'est quoi? C'est les petits tapis c'est en un mousse. Tapis, je vais vous montrer. Les tapis qui m'a 30 euros. En vrai, là, on partirait sur une valeur inférieure, donc ça pourrait pas le faire. Non, mais déjà, c'est très gentil, mais on peut pas, hein. C'est pas du tout le concept. Non, bah merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Intersport sont beaucoup plus commerciaux que Decathlon, on peut le souligner. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas repartir avec un tapis de yoga, quoi. Bon, les amis, let's go, c'est parti. On a, du coup, les tapis de yoga. Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons. On est à 90 euros, parce que un tapis, c'est 30 euros. Donc on monte, en vrai, niveau prix, on monte. Ouais. C'est du matériel neuf. Donc, les amis, c'est incroyable, on a réussi à échanger l'objet. Ouais. Ça fait 6 heures qu'on essaye d'échanger une putain de lunettes de soleil de merde. Ray-Ban, envoyez-moi la thune. Let's go, merci encore Intersport, merci à Charlène. Les employés d'Intersport Saint-Maximin dans l'Oise sont hyper accueillants. Ouais. On peut le dire, ils étaient tous trop sympas. Donc franchement, allez-y en force. Bon les amis, on est chez Campanile. Et là on nous a dit, attendez, il y a un canapé qu'on doit séparer. Un canapé genre. Donc c'est parti, il va nous montrer, il a dit ouais la part de fonction et tout, faut le ranger. Mais il est incroyable le canapé. Tu penses qu'il coûte combien? Bah en vrai ça, 50 balles tu sais. En vrai, on échange 90 euros contre 50 euros. Mais tu sais, j'suis en train de penser à un truc, ouais. Comment on va se balader avec un canapé après dans les rues pour échanger ça? Allez, la clé. On est des ménageurs bretons. Du coup il va regarder la télé sur des tapis de yoga. Il pique son canapé. Oh, attention, on va pas l'abîmer. Un canapé tout neuf. Les canapés de campagne, là, on peut le dire. Yeah, je suis sur mon canapé, canapé. Je suis sur mon sofa, sofa. Ah. Ok les amis, on a le magnifique Yann qui travaille à Campanile pour les filles si elles veulent venir voir ce BG. On échange 3 sacs Tommy, donc un sac qui a un tapis pour dedans et ça a une valeur de 30 euros en vrai. Donc là tu te plais bien, tu vas pouvoir faire avec tes copines, tu vas pouvoir faire du yoga. Donc ça c'est pour toi et je te remercie de participer à la vidéo et pour ce magnifique canapé, je te check. Merci à toi. Les amis, en vrai on finit bien cette vidéo, c'est une dinguerie. Si t'as kiffé le concept les amis, l'épisode 3 il arrive sur la chaîne très bientôt. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as aimé la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un gros pouce bleu. Et sur ce les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était FH. Vas-y, lâche. Non. Non, t'inquiète, ça va rentrer. T'as pas une ficelle, t'as rien. C'est vrai qu'on est parti du principe d'une machine à laver. Et j'ai rien. C'est vrai, j'avoue.